qu'il est beau, ce piano. Bonjour Gisèle Magnan. Bonjour. Vous êtes pianiste, vous avez créé l'association Les Concerts de Poche qui cherche, on va dire, à démocratiser la musique. Et puis on sera plus précis jusqu'à 9h ensemble, puisque vous nous faites l'amitié d'être avec nous aujourd'hui jusqu'à 9h. Et parmi vos choix musicaux, il y a ce gamin là qu'on est en train d'écouter, jeune pianiste de jazz très doué, qui s'appelle Thomas Enko, qui viendra bientôt nous présenter son nouveau disque, Feathers. Thomas Enko, ça a été votre élève? Oui, je continue d'ailleurs souvent à le voir, à le rencontrer. C'est vrai que le coaching, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et Thomas, évidemment, c'est un musicien extraordinaire, très inventif, qui a une inspiration absolument merveilleuse. Et du coup, les échanges qu'on peut avoir avec lui, on ne sait pas qui gagne l'autre, en fait. Donc, il y a beaucoup de... Je lui ai écrit sur Facebook hier. Parce qu'aujourd'hui, on peut écrire à tout le monde sur Facebook, ouais. C'est magique. Et parfois, on vous répond. C'était le cas de Thomas Enko. D'accord. Je lui dis, je reçois Gisèle Magnan demain. Il a fait, oh, c'est ma prof de piano. Je vous lis ce qu'il m'a répondu, parce qu'il m'a autorisé. C'est ma prof de piano chérie, la créatrice visionnaire des concerts de poche, celle qui a eu l'idée de mon duo avec Vassilena, la personne avec qui il travaille en ce moment sur ce disque, celle qui a organisé mon premier concert avec Henri de Marquette. Bref, elle est incroyable. Ça fait plaisir de bon matin. Oui, ça fait plaisir. Bon, alors, qu'est-ce que vous leur faites à ces jeunes musiciens pour qu'ils vous aiment à ce point? Qu'est-ce qui se passe entre eux et vous? Alors, en fait, vous l'avez connu à quel âge, Thomas? Je leur fais confiance. Thomas, je crois que je l'ai connu quand il avait 14 ans. Donc, effectivement, c'est de longue date. Et il démarrait, en fait, Thomas, c'est un peu un enfant prodige. Il a démarré sa carrière très tôt et il est sur les planches depuis qu'il est né, pratiquement. On rappelle qu'il vient d'une famille de musiciens, qu'il est le petit-fils de Kazatsu, le grand chef lillois. Oui, il est le fils de Caroline Kazatsu. Et il a tout de suite eu une orientation vers le jazz, mais en ayant un lien avec le piano classique qui dure encore et qui est très très important pour lui. Je pense d'abord que vous avez pensé à lui comme un futur grand pianiste classique et qu'il a pris finalement un chemin de traverse qui est plutôt le jazz. Oui, alors c'est vrai que quand il est arrivé, quand on a échangé les premières fois, mon idée était vraiment qu'il puisse approfondir cette formation classique dont il avait une très très grande envie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait un petit peu au quotidien, mais les études qu'il a suivies à ce moment-là l'ont poussé beaucoup plus vers le jazz. Il joue du violon aussi, donc du violon jazz. Mais c'est vrai qu'on retrouve dans son inspiration cette étude. Enfin, ce goût pour le son, pour la mélodie, une inspiration finalement extrêmement, extrêmement musique classique, tout en ayant des fantaisies absolument incroyables, et puis cette technique de piano jazz tout à fait remarquable. Mmh. Mais je suis contente parce que même dans la technique de piano jazz, ça m'arrive de l'aider, et j'adore ça en fait. Enfin, vous avez une formation classique, comment vous réussissez à conseiller un musicien en jazz? Non, je ne le conseille pas sur le jazz, mais je le conseille sur la façon de jouer du piano en fait. Et ça, la façon de jouer du piano, que vous fassiez du jazz, du classique ou du tout ce que vous voulez, il faut la connaître. Et le contact qu'on a avec un clavier, avec les cordes du piano et avec l'oreille, je pense que c'est pour tous le même enseignement. Il vous présente dans son petit message Facebook, Thomas Enko, comme quelqu'un qui aime et qui sait transmettre. Ça vous convient comme présentation? Oui, on ne peut pas dire que ça ne me convienne pas. C'est venu comment, ce désir de transmettre, plutôt que d'être toute votre vie une concertiste dans les salles? Alors, en fait, je pense que le désir de transmettre, je l'ai eu depuis toujours. C'est vrai que moi-même, je suis plus pianiste maintenant. Donc, j'ai arrêté il y a 7-8 ans maintenant complètement de donner des concerts. C'était vraiment un choix. Mais toute la recherche que j'ai pu faire en piano, et puis bon, j'ai été quand même très concertiste pendant longtemps, cet objet de recherche qu'est le piano, le son, la musique, l'interprétation, la manière de se donner, la générosité qu'on va rechercher au fond de soi, pour communiquer avec l'autre par rapport avec l'instrument a toujours été quelque chose bien sûr qui a compté énormément. Donc j'ai eu envie de le transmettre très jeune, j'étais prof, coach en fait. Oui. Et puis maintenant c'est vrai que cette façon de, avec les concerts de poche, d'être un médiateur entre tous les publics on va dire, et cette musique que j'aime tellement puis que j'ai réussi à approfondir à un moment donné de ma vie, je pense que oui, c'est un nouveau passage vers la transmission. Qui est vous semblez faire une différence, Gisèle Magnan, entre professeur et coach? Alors oui, c'est vrai, parce que en fait, j'ai...
toujours pensé qu'il fallait favoriser, quand on avait un élève, un étudiant, la quantité de temps qu'on pouvait passer avec lui. Or, un professeur, comme on l'entend, de musique, il va passer une heure et demie avec son élève toutes les semaines ou tous les mois. Moi, c'est vrai que j'aime bien pouvoir approfondir 2 heures et demie, 3 heures, pour essayer de comprendre quelles sont les véritables questions de celui qui vient vous voir, sur quoi il a envie d'approfondir, quelle est sa relation humaine avec son instrument, qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer et de quelle manière je vais pouvoir l'aider à ça. Ça prend du temps et du coup, c'est vrai que c'est plus, quand je dis du coaching, c'est qu'on prend son temps, en fait. Vous êtes une humaniste, vous? Oui, tout, enfin, beaucoup. Les artistes, en général, enfin, je pense qu'ils... Pas tous. Ouais, en tout cas, c'est ça aussi qu'on a envie, enfin, moi qui me passionne aussi au concert de poche, hein, c'est de la relation avec les artistes, et c'est cette surprise qu'ils ont quand ils rencontrent comme ça des publics qu'ils connaissaient pas, la manière dont ils deviennent humanistes, mais en quelques secondes, hein, et tous. Vous allez nous raconter ça, Gisèle Magnan, jusqu'à 9h. J'ai un ami à vous qui voudrait jouer, c'est Frédéric Chopin. On écoute. Un ami à moi? Oui. Bienvenue. C'est parti. Tarentelle en la bémol majeur opus 43 de Frédéric Chopin par Vlado Perlemutter au piano.
Alors, Gisèle Magnon, vous avez joué ce morceau? Alors, moi, j'ai été complètement séduite par ce morceau et par Perle Mutter qui le joue. C'était mon maître, c'était mon professeur et j'écoutais un vinyle en boucle quand j'avais 13 ans où il y avait cette tarentelle, il y avait la fantaisie en fa mineur, etc. Vous me disiez que le vinyle que vous avez, c'était une version plus rapide? Oui, c'est pas exactement la même version, c'est-à-dire que ça, ce qu'on vient d'entendre, Perle Mutter, il l'a enregistré à la fin de sa vie, et c'est d'ailleurs magnifique, et on entend le poids de toute une vie. Ah, vous trouvez du coup que l'homme âgé joue moins vite? À l'homme âgé, là, en l'occurrence, joue moins vite, oui. En effet, mais pas forcément moins vite, mais il y avait une vivacité dans le disque qu'il avait enregistré, je pense, dans les années 50 ou 60, je sais pas, qui était, très très exubérante, et comme ce monsieur, quand je l'ai connu, il avait déjà les cheveux très blancs, qui paraissait être un homme déjà âgé, un papy même, alors qu'il était pas si âgé que ça. Le contraste était extraordinaire, et cette espèce de vivacité et de brio dans la tarentelle en particulier, qui est très très peu jouée, qui est une œuvre extrêmement peu connue de Chopin, moi me mettait complètement en joie, et j'ai retrouvé ça d'ailleurs en l'écoutant là tout de suite. Gisèle Magnan, à quel âge on vous met, ou vous vous mettez peut-être vous-même, qui sait, devant un piano? Alors, on me met, faut bien le reconnaître, vers l'âge de 7 ans. Et puis, c'est vrai que ça m'a passionnée. Il y avait un piano chez moi, et puis que j'ai eu envie de rentrer dans le ventre de ce gros animal, et puis d'y comprendre. Qu'est-ce qui se passe en étant enfant, entre lui et vous? Une très grande intimité. Alors, c'est vrai que j'avais l'habitude d'écouter mon père jouer du piano, et j'étais sous le piano, et je pense que j'étais très sage pendant ce temps-là, et que donc ça avait été remarqué. Mais c'est vrai que après, on a envie de comprendre comment ça marche, pourquoi les sons sont tellement différents quand on touche le clavier d'une manière ou d'une autre, et puis de quelle manière on peut aussi inventer ces morceaux, les jouer, les fabriquer. Vous êtes quelqu'un de curieux, hein? Oui, bien sûr. Parce que, par exemple, vous allez au conservatoire, etc., et puis on vous apprend certes le piano, mais aussi le solfège, l'histoire de la musique de chambre et l'analyse. Tous les pianistes ne font pas ça comme cursus. Alors, le solfège, en fait, si, et puis le solfège, c'est un peu ce qu'on doit faire le en solfège, même temps. Le solfège, oui, mais oui, l'analyse... Mais l'analyse, alors ça, c'est effectivement, c'est la matière, le bonus, en fait, oui, que j'ai... mais j'étais passionnée par mon professeur d'analyse, c'était Betsy Jolas, donc qui est un compositeur formidable, et qui avait une personnalité très charismatique, et je suis rentrée dans cette classe parce que l'analyse des morceaux, moi, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, comment c'est fabriqué tout ça, et comment on le fabrique d'ailleurs, et qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce qu'on peut inventer. Et donc cette classe d'analyse m'a énormément intéressée, puis a été très complémentaire aux études que j'avais faites. Gisèle Magnan, si je vous dis Nikita Magaloff. Nikita Magaloff, c'était un artiste effectivement qui a tout à fait marqué ma jeunesse. Pianiste je pense russe et formateur. C'était un des premiers pianistes que je suis allée écouter quand j'étais enfant au Théâtre des Champs-Élysées. Et il jouait Chopin, et c'était très très émouvant et puis séduisant. Le public, vous savez, c'est extraordinaire. Moi, j'ai bien connu un grand interprète qui s'appelait Edwin Fischer, qui était un très grand pianiste, et ça paraît un peu... Il disait, quand le public tout sait que je ne joue pas assez bien, eh bien, il y a quelque chose de vrai, là. Il y a tout d'un coup, dans une salle de concert, un silence qui se forme, extraordinaire. Et pourquoi? C'est parce que à ce moment, il y a comme une magie entre l'interprète et ceux qui l'écoutent. Et c'est ça qui fait finalement les grands succès aussi. Émouvant d'entendre la voix de ce pianiste et de ce maître. Ah, c'est merveilleux. Et puis ce qu'il dit aussi, le contact avec le public, c'est vrai que c'est ça qui compte. Et le public qui tousse quand il commence à s'ennuyer, c'est sans doute vrai aussi. Au théâtre, en tout cas, c'est vrai. Mais c'est carrément évident. Et puis la qualité du silence participe de la musique et puis inspire énormément l'artiste. On va vous écouter, Gisèle Magnan, au piano, et je vous promets qu'on ne va pas tousser. On vous écoute dans Beethoven. Thank you.
le début du premier mouvement de la sonate opus 110 de Beethoven par notre invité, par Gisèle Magnan au piano. Il est 7h55 et c'est l'arrivée de Clément Rochefort dans le studio pour les Dépêches Notes. Bonjour Clément. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Le théâtre de la ville, qui fermera ses portes pour travaux fin 2016, va s'installer pendant 2 ans à l'espace Cardin, près des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de Paris. L'espace comprend un théâtre à l'italienne de 673 places, un cinéma de 450 fauteuils et des salles d'exposition de 1200 mètres carrés, précise le Parisien. La ville de Cologne, en Allemagne, a décidé, elle, d'accorder 60 millions d'euros supplémentaires pour la réhabilitation de l'opéra et du théâtre municipal, sans quoi les travaux auraient dû s'arrêter. Le budget total s'élève donc maintenant à 347 millions d'euros, selon Musikhäuser, fin du chantier prévu pour 2018. L'orchestre philharmonique d'Helsinki et sa nouvelle chef principale, Susanna Melki, viennent de signer un contrat avec le label discographique BIS pour l'enregistrement de 4 disques dans les prochaines années. Le premier de la série sera consacré à Bartok et enregistré en mai 2017. Frank Sinatra est mort hier, pas le père Vincent, le fils. Oui. Bien sûr, Frank Sinatra Junior. 72 ans. Voilà, 72 ans. Il a succombé à une crise cardiaque en pleine tournée en Floride. Comme son célèbre père, Sinatra Junior avait fait carrière dans la musique, devenant en 1988 chef d'orchestre et directeur musical auprès de son père, Sinatra Junior, qui était aussi connu pour avoir été enlevé à l'âge de 19 ans, puis libéré contre le paiement d'une rançon par son père, se souvient l'AFP. Le chanteur Tony Bennett, un vieil ami des Sinatra, s'est dit profondément attristé par ce décès. Et enfin, on a évoqué vendredi avec un peu d'humour le courrier d'excuses anticipé envoyé par la direction de la Royal Opera House de Londres à tous les détenteurs d'un billet pour la nouvelle production de Lucia di Lammermoor de Donizetti, mise en scène par Cathy Mitchell. Un courrier qui les mettait en garde contre la présence de scènes de violence et de sexe cru. Depuis, 40 personnes ont déjà appelé et demandé à être remboursées, renonçant à venir à l'opéra, rapporte le Télégraphe. Quelques voix s'élèvent en Grande-Bretagne pour dénoncer la démarche. Si l'art, le théâtre, dont le rôle est de subvertir, de surprendre, de bouleverser, commence à s'excuser par avance de ce qu'il est, il court le risque de devenir un bien de consommation comme un autre. Voilà les dépêches notes et toute l'actualité de la musique, c'est à retrouver sur francemusique.fr. Je vous rappelle que notre invitée ce matin, c'est une pianiste, alors elle va dire ancienne pianiste parce qu'elle ne joue plus, elle aura raison, Gisèle Magnan, mais c'est surtout l'animatrice de cette formidable association qui emmène les artistes à la campagne, en banlieue, pour ouvrir au maximum la musique classique, et pas seulement la musique classique. C'est Gisèle Magnan qui est avec nous jusqu'à 9h. Demain, suite et fin de l'intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven dans le concert de l'après-midi sur France Musique avec Julia Fischer et Igor Levit, enregistrés lors de leur passage à Paris et qui interprètent, entre autres, la fameuse sonate à Kreutzer. À ne pas manquer demain à 14h sur France Musique et francemusique.fr, bien sûr. Il n'y a pas d'horaire fixe dans un club de jazz. On pousse une porte, parfois la musique a commencé, parfois non. On peut commander une limonade au bar et on se glisse dans cette musique. Le jazz club de France Musique, lui, il a un horaire. Tous les vendredis, à 22h30, il pousse une porte, un club de Strasbourg, de Paris, de Pantin. Et à minuit, sur nos pas de velours, on s'en va. Dans les concerts de l'après-midi par Dominique Boutel, cet après-midi sur France Musique de 14h à 15h55, vous pourrez écouter La jeune fille et la mort par le quatuor Hugo Wolf. C'était à la Philharmonie de Paris le 21 janvier dernier. France Musique, 8h. C'est le journal de Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. L'appel à la mobilisation des jeunes contre le projet de loi travail aujourd'hui, l'annonce de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires attendue ce jeudi, les inquiétudes des petites entreprises qui devront en 2018 collecter l'impôt sur le revenu, et puis les 28 réunis en sommet pour officialiser l'accord de principe controversé avec la Turquie sur les migrants. Voilà pour les titres.
Un test pour le gouvernement et son projet de loi travail. 8 jours après un premier coup de semonce dans la rue, plus d'une vingtaine d'organisations de jeunes appellent à une nouvelle journée d'action ce jeudi. Reste à savoir jusqu'où la mobilisation peut aller, Maxime Debs. L'opération bricolage orchestrée par Manuel Valls lundi n'a pas entamé la motivation sur les bancs de la fac. Selon l'UNEF, les AG grossissent de jour en jour, il y en aura encore aujourd'hui. D'ici là, les organisations favorables au retrait vont tenter de convaincre encore du bien fondé de leur action. Alors qu'à Paris 8 ce matin, les plus remontés envisagent de bloquer les entrées. À Nanterre, les barrages seront plutôt filtrants. Les étudiants qui le souhaitent pourront passer, mais en échange, ils recevront un tract. Car l'UNEF qui veut intensifier le mouvement à l'image de la CGT le dit. Pour ça, il faut de la pédagogie. À l'heure où un autre syndicat étudiant, la FAGE, laisse entendre une autre voix. Pour Alexandre Leroy, son président, le combat désormais ne se joue plus dans la rue mais au Parlement où il sera toujours temps, selon lui, d'améliorer le texte via des amendements. Un discours que n'entendent pas de leur côté les lycéens de Paris à Bordeaux en passant par Grenoble. Les organisations qui les représentent, UNEL et Fidèles en tête, promettent des blocages dans de nombreux établissements. Ce matin. Plusieurs syndicats de salariés CGT, FO, FSU appellent également à participer à cette journée pour maintenir la dynamique en attendant la mobilisation du 31 mars. Et dans ce climat de grogne contre le projet de loi travail, eh bien les fonctionnaires attendent une revalorisation de leur point d'indice. Qui est gelé depuis 2010, ils rencontrent aujourd'hui la ministre de la fonction publique, Annick Girardin, pour un premier rendez-vous salarial. Et elle devrait annoncer une hausse de 0,5 à 1,5%, ce qui aura un coût non négligeable, Alexandra Dubouchereau. Chaque hausse d'un demi-point du point d'indice coûtera 925 millions d'euros par an. Le point d'indice sert à calculer le salaire de base des fonctionnaires, donc hors prime, indemnité ou ancienneté. Un point d'indice qui ne bouge pas, comme c'est le cas depuis juillet 2010, c'est une rémunération qui ne bouge pas. Ajoutez à cela la hausse des prix et la hausse des cotisations retraite. Les syndicats ont sorti leur calculette. En un peu plus de 5 ans, les fonctionnaires auraient perdu au moins 8% de leur pouvoir d'achat. Donc FO, troisième syndicat, demande 8% de hausse du point d'indice. Et ce, tout de suite. La CGT majoritaire va plus loin avec 10%. Mais le rattrapage pourrait prendre un peu plus de temps. Tous, sauf FO, se disent prêts à accepter une hausse de 1% pour commencer, à condition que le gouvernement promette un calendrier de rattrapage. En septembre dernier, la CGT, FO et Solidaires avaient refusé de signer l'accord sur la rémunération et la carrière des fonctionnaires. L'accord est quand même passé. Ils repartent donc au combat, même s'il n'est pas du tout certain que le gouvernement soit prêt à négocier. Une grève a été lancée par 6 syndicats le 22 mars prochain. 2 syndicats n'appellent pas à la grève, la CGC et là encore FO. En pleine bataille sur la loi travail, cette dernière veut garder des forces pour la grande mobilisation annoncée le 31 mars. Le gouvernement assure que cette hausse du point d'indice sera financée par des économies de dépenses dans d'autres secteurs. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu suscite quelques inquiétudes. Eh oui, le ministre des Finances, Michel Sapin, a confirmé hier que ce prélèvement, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018, sera effectué la plupart du temps par les entreprises. Une nouvelle ligne fera son apparition sur nos fiches de salaire. Si le gouvernement assure que la réforme sera simple, les entreprises, tout particulièrement les plus petites, celles qui n'ont pas de service de paye, redoutent une surcharge de travail difficilement gérable, Laurent Kramer. Avec le prélèvement à la source, l'employeur va se transformer en collecteur d'impôts, s'étonne le patronat. Les chefs d'entreprise vont donc devoir faire une partie du travail de Bercy sans aucune contrepartie, estime François Asselin à la CGPME. C'est du temps à passer, c'est de la modification d'un logiciel de paye. Donc c'est une contrainte supplémentaire. Qui va financer cela? Qui va porter la responsabilité? Une erreur de calcul? Il y a un problème de confidentialité. Nous ne voulons pas savoir, nous employeurs, quel est le foyer fiscal d'un de nos salariés. Donc les coûts que nous allons faire économiser à Bercy, donc que nous allons avoir en plus, eh bien il serait légitime qu'il soit répercuté par un accompagnement, par une aide, eh bien au nouveau collecteur d'impôts que nous allons devenir, nous entrepreneurs. Bercy assure que le prélèvement de l'impôt à la source sera le plus simple possible par transmission informatique, au même titre que les charges sociales aujourd'hui sur la feuille de paye. Ce taux de prélèvement sera calculé par l'administration et envoyé à l'employeur qui ne disposera d'aucune autre information fiscale, insiste Bercy, mais ce niveau d'imposition ne sera pas précisément totalement neutre, déplorent les syndicats. Dans une négociation salariale, par exemple, l'employeur pourra constater que l'ensemble des revenus de son salarié est éventuellement plus conséquent que son simple salaire.
Le patronat demande la mise en place de tests grandeur nature pour évaluer les difficultés avant la généralisation du prélèvement à la source. La réforme sera présentée en juin au Parlement. Il est 8h05, vous écoutez France Musique. La crise migratoire une nouvelle fois au cœur d'un sommet européen. Oui, les 28 réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles vont tenter de trouver une majorité pour officialiser l'accord de principe négocié en début de semaine dernière avec la Turquie. Il s'agit de convaincre Ankara de retenir chez elle les réfugiés et de reprendre les migrants illégaux arrivés en Grèce. Le texte a suscité une levée de boucliers, notamment en raison des contreparties accordées au régime autoritaire de Recep Tayyip Erdogan. Il est en train d'être en partie réécrit. L'un de ses aspects les plus controversés, le renvoi collectif vers la Turquie de tous les migrants arrivés illégalement en Grèce, syriens compris, a ainsi d'ores et déjà été supprimé, Marie-Pierre Vérou. La Commission assure avoir désormais revu sa copie sur ce point. Les demandes d'asile devraient être toutes traitées individuellement en Grèce avant un renvoi en Turquie. Et les demandeurs d'asile auraient la possibilité de faire appel de ce renvoi. Mais cela reste une véritable usine à gaz, car cela suppose un changement de législation tant en Grèce qu'en Turquie, ne serait-ce que pour faire de celle-ci un pays reconnu comme sûr, alors qu'Ankara n'a toujours pas totalement ratifié les conventions de Genève. Il ose par ailleurs imaginer comment le système judiciaire grec, même assis par l'Europe, aura les moyens de traiter individuellement des dizaines de milliers de demandes d'asile. Mais ce n'est pas tout. Chaque point du texte pose problème. Le 1 pour 1, au terme duquel pour chaque Syrien renvoyé en Turquie, l'Europe en choisirait un dans les camps turcs à réinstaller sur son territoire. France Terre d'Asile fustige un trafic de migrants. Le Gisti, un troc de la honte. Amnesty International a lancé une pétition contre un accord qui traite des êtres humains comme des marchandises. Et Human Rights Watch pointe une dernière disposition inacceptable, la création en coopération avec la Turquie de zones sûres en Syrie pour les populations locales et les réfugiés. La solution est pourtant connue, des voies d'immigration légales en Europe et une solidarité dans le partage des réfugiés, mais elle n'est pas à l'ordre du jour. Autre point à régler pour les 28, le problème chypriote. Alors que la Turquie a envahi la partie nord de Chypre en 1974, Nicosie n'apprécie guère la perspective offerte à Ankara d'ouvrir de nouveaux chapitres dans ses négociations d'adhésion à l'Union. La météo est toujours un temps perturbé dans le sud avec de la pluie du littoral varois au Roussillon et en cours de journée du sud-ouest au Limousin et puis de la neige sur les reliefs. Partout ailleurs, ciel nettement plus lumineux malgré quelques passages nuageux. Les températures maximales de 10 degrés à Cherbourg, à 17 à Marseille, Vincent. A tout à l'heure 9h pour un autre point sur l'information, Marie-Hélène Duvigneau. France Musique. Gisèle Magnan, l'animatrice, l'âme des concerts de poche est avec nous. Pianiste aussi, Gisèle Magnan. Vous êtes en train d'écrire plein de choses, qu'est-ce que c'est ? Je vous vois là, frénétiquement écrire des petits mots. Oui, j'écrivais des petits mots. J'étais en train de penser à mes artistes chouchous. Voilà. Ah, vous avez des chouchous ? On a des chouchous. Vous avez des chouchous parce que les concerts de poche, eh bien, vous faites appel à eux, les artistes, mais j'imagine à certains artistes qui se prêtent plus ou moins au jeu d'aller jouer à la campagne, d'aller jouer dans les banlieues. Tout le monde ne dit pas oui à Gisèle Magnan, si ? Alors, on pourrait dire oui, mais il faut que les concerts, enfin, il faut que les artistes qui viennent soient le plus scotchants possible. Comment on est scotchant devant un public qui ne connaît pas la musique ou qui ne la connaît pas bien? Eh bien, vous voyez, tout à l'heure, Magaloff parlait de cette qualité de silence. Être scotchant, c'est prendre le public par la main, c'est l'emmener dans son univers, c'est donner au public l'impression qu'il y a un suspense absolument incroyable dans la musique qu'on est en train d'écouter. Du coup, on a envie d'entendre la suite. Du coup, il est hors de question de tousser entre deux notes. Et à partir de ce moment-là, il y a une telle implication, envie, désir de communiquer de la part de l'artiste que le public devient lui-même participant de la création qui est en train de se faire sur la scène. Et à ce moment-là, le jeu est le bon et la magie opère. Est-ce qu'il y a un répertoire plus coachant qu'un autre ? Certainement. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un répertoire plus coachant qu'un autre. On est spécialisé dans un certain type de répertoire au concert de poche. On est dans la musique du 18e, 19e, 20e, 21e peut-être aussi, mais musique classique. Et puis le jazz, l'opéra, un petit peu de musique du monde. Donc il y a beaucoup d'autres musiques qui sont scotchantes, hein, mais on est évidemment avec cette musique-là parce que c'est la mienne, c'est celle que j'ai eu envie vraiment de partager, de faire connaître absolument à tout le monde.
monde, c'était le début des intentions des concerts de poche, c'était le partage. Ça a beaucoup évolué, c'est devenu un outil. Mais l'idée était véritablement que, en effet, Schubert, Fauré et Stravinsky puissent passer toutes les frontières des populations du 21e siècle. On va reprendre le concert de poche à l'origine, en sachant que 2016 est une année importante pour les concerts de poche parce que vous fêtez vos 10 ans. Mais au départ, vous êtes concertiste, on le disait tout à l'heure. Ouais. Ça marche bien pour vous dans les années 80. Vous allez vous tourner en France, mais aussi à l'étranger. On demande Gisèle Magnon sur plusieurs scènes. Et puis vous vous dites, ah, peut-être que la salle traditionnelle ne parle pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de rentrer dans cette salle. Peut-être que le coût, pour une famille, par exemple, qui vient assister à un concert, c'est trop important. Il y a peut-être des choses à revoir. Quel est le point de départ de ce constat, Gisèle Magnon? Oui, alors c'est vrai que le point de départ était un point de départ de musicienne, un point de départ artistique, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je voulais partager absolument avec tout le monde. Et je me rendais compte que les salles de concert étaient fermées à la très très grande majorité des populations d'aujourd'hui. Donc fermées pourquoi? Pour des tas de raisons virtuelles en fait, elles sont pas fermées, mais je me suis interrogée pourquoi c'est toujours les mêmes publics, pourquoi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller dans toutes ces petites salles, parce que quand vous allez de scène nationale en scène nationale, vous traversez des centaines de villages, dans chaque village il y a une salle des fêtes et il y a énormément de ces salles des fêtes qui ont une excellente acoustique, et puis autour des salles des fêtes il y a des centres sociaux, il y a des prisons, il y a des hôpitaux, etc. Et du coup, en tant que musicien, et beaucoup se le disent, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on va toujours là où, bien sûr, il y aura une grande concentration de mélomanes, mais pourquoi aussi on ne va pas dans des lieux un peu plus proches de l'habitant? Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, plutôt que de ronchonner, d'en avoir envie, puis d'attendre que ça vienne, parce que ça, je suis sûre que de toute façon, c'est dans l'évolution, je me suis dit, mettons-nous les mains dedans, dans la patouille, et essayons, et voyons ce que ça donne. J'aurais pas du tout imaginé que ça donnait forcément autant. Voilà. Alors on va voir ce que ça a donné progressivement, on va voir comment les artistes ont réagi, et surtout comment le public a réagi aussi, mais on va écouter un peu de musique, un extrait du premier mouvement du concerto en ré majeur de Beethoven par Augustin Dumay au violon et le Sinfonia Varsovia, parce que je pense qu'Augustin Dumay, vous allez nous le dire ou pas, fait partie des artistes qui se prêtent volontiers au jeu JEU des concerts de poche.
Un extrait du premier mouvement, je vous le disais, du concerto en ré majeur de Beethoven par Augustin Dumay. Et Gisèle Magnan nous dit oh, « c'est magnifique ». Mais c'est somptueux, c'est parfait en fait. C'est magnifique dans le sens où chaque note exprime quelque chose qui est totalement en phase avec le cœur de l'artiste qui joue, de l'interprète, mais aussi celui du compositeur et aussi celui de l'auditeur. Mmh. C'est ça qui est incroyable, cette présence, le côté vivant, incroyablement expressif. Le jour où vous prenez conscience que vous avez envie de faire en sorte que le public se renouvelle et que la musique puisse accéder à un public qui n'a pas de salle près de chez lui, à la campagne, dans les banlieues. Vous faites comment pour qu'un concert ait lieu quelque part et avec qui? Vous vous souvenez de la première fois? Oui, alors la première fois c'était dans des villages tout près de l'endroit où j'habite. En fait, j'habite la Seine-et-Marne dans une zone très rurale. Et du coup, effectivement, il y a des salles des fêtes par là. Et donc vous appelez le maire d'un village. Exactement. Vous dites, est-ce que vous me prêtez votre salle pour faire tel concert? Exactement. Ça a été ça, et ça a été aussi un jeune musicien avec lequel je travaille beaucoup qui s'appelle Pierre Alain Brewep, qui est compositeur, qui est claveciniste, qui est chef d'orchestre, etc. Et qui était tout jeune, frais et moulu, lycéen à l'époque, mais également qui commençait à collectionner tous les prix du CNSM possibles et imaginables. Un jour, il m'a appelé, donc j'étais encore pianiste, et il me dit, je suis titulaire d'une petite salle dans un coin à Fontainebleau, et j'aimerais que vous veniez donner un concert. Et là, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de reculer un peu, moi, par rapport au concert. Si je dis oui, c'est pour que on fasse différemment. Tu m'emmènes au lycée, tu m'emmènes au collège, on parle du piano, on parle de ce qu'on aime, on joue un peu, on explique, on a contact avec les jeunes. Et le concert qu'on va faire, je veux bien venir le donner avec des musiciens de musique de chambre avec lesquels j'avais l'habitude de jouer. Et on va appeler ça concert de poche. Et puis on verra bien ce que ça donne. On met des prix tout petits et les je veux qu'il y ait plein de jeunes. Les prix, alors ils n'ont pas changé, hein. C'est de 3 à 9 euros. C'est génial. L'idée, c'est que l'accessibilité passe aussi par là. Mmh. Alors du coup, comment vous financez, vous, votre association? Pas comme ça, ça c'est sûr. Alors l'association s'est financée petit à petit. C'est vrai qu'au début, le bénévolat était total et on a commencé à faire rentrer un tout petit peu les sous. Et mine de rien, ces billets à 3, 5 et 9 ont permis de louer les premiers Steinway de concert. Mais ensuite, il a fallu aller chercher des financements, donc des financements publics un petit peu. On en a peu, mais ils existent et nous permettent de prendre racine. Les élus locaux vous aident ? Et les élus locaux aident. Et puis alors, ils se sont enthousiasmés, les élus locaux. Et ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. Parce qu'au début, l'idée d'aller jouer du Brahms, du Fauré, du Schubert, les élus locaux, quand ils connaissaient les artistes qui allaient venir, ils disaient, bon, oui, pourquoi pas, on va essayer. Et puis, voyant l'engouement du public, et puis surtout, très sincèrement, les concerts de poche ont toujours associé des rencontres qui sont maintenant devenues des ateliers élaborés. Oui, avec on en parlera en deuxième partie des ateliers. Oui, mais c'est dès la première partie, dès que vous parlez des concerts de poche, on parle des ateliers parce que ça fait partie complètement intégrante de la démarche. Eh bien, on va continuer d'en parler avec vous, si vous le voulez bien, Gisèle Magnan, jusqu'à 9h. Et d'un coup de baguette magique, je vais vous emmener au studio 107 pour retrouver le camarade de Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Vincent. Vous êtes accompagné d'une pianiste japonaise. Oui, quand une élève de Vlado Perlemutter rencontre une autre élève de Vlado Perlemutter, il y a des chances qu'elles aient des choses à se dire sur ce grand maître dont vous avez déjà parlé tout à l'heure. C'est le cas en effet de Junko Okazaki, notre invité ce matin, qui consacre en ce moment une partie de sa vie à son maître et à Maurice Ravel. Ravel qu'elle interprète tout de suite en direct du studio 107 de la Maison de la Radio, le premier mouvement modéré de la sonatine. Thank you.
le premier mouvement modéré de la sonatine de Maurice Ravel, Junko Okazaki, en direct dans la matinale de France Musique. Vous nous rejoignez, Junko, à côté de Gisèle Magnan, pianiste aussi et disciple, comme vous, de Vlado Perlmutter. Vous ne vous connaissez pas ? Je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Oui. Et vous venez, une fois n'est pas coutume, avec une partition. Alors vous avez joué sans partition, on pourra le voir d'ailleurs sur la vidéo sur francemusique.fr. Mais cette partition, ça n'est pas n'importe quelle partition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Donc, je pense 1999, c'est éditeur japonais qui a contacté Vlado Perlmutter. Qui était encore vivant en 99, oui, il est oui, mort en 2002. Pour demander de faire le partition de Maurice Ravel, de Perlmutter. Parce que Perlmutter, il a travaillé avec Maurice Ravel, donc il a beaucoup de choses à transmettre. De Maurice Ravel. Ces annotations, donc ce sont les annotations sur la partition de Perlmutter, mais ce sont aussi des indications de Maurice Ravel oui, lui-même, c'est ça ? Exact. Et donc vous êtes lancé dans l'édition, après la mort de Perlmutter, de l'intégrale de l'œuvre pour piano de Ravel, avec ces annotations qu'on voit là. Je suivais oui, cette sonatine avec les annotations, on voit écrit un peu retenu, très expressif, ici Padre Bato, à la fin il y a même écrit un rappel des Kinderscenen, des scènes d'enfants, entre parenthèses écrit Corto, donc là c'est des indications de Corto rapportées par le Perlmutter, c'est ça ? Oui, c'est exact. Donc ils ont fait plusieurs couleurs, donc c'est le couleur bleu, c'est à notation de Perlmutter. Et pourquoi vous faites ça ? Ça veut dire que c'est pas moi, c'est le maître qui m'a demandé. D'abord, donc il était très âgé, donc il m'a demandé que je fasse annotation, de transcription et traduction. Et après sa mort, il faut que je continue. C'est ce qu'il m'a demandé. Donc vous êtes légataire en quelque sorte, il vous a investi de cette mission-là. Oui, parce que... Pourquoi vous ? Bah, j'en sais rien, moi, je sais pas. Il faut demander à lui, hein. Ah, mais oui, mais c'est difficile. Gisèle Magnan, cet homme. Mais moi, j'entends bien, d'abord, ouais, parce que ce qu'on vient d'entendre était juste magnifique, et je pense que Perlmutter aurait été très heureux d'entendre sa sonatine comme ça. Donc, voilà. Et puis ensuite, alors, c'est très amusant, parce que moi, je savais pas qu'il y avait eu cette édition des partitions telles que vous les décrivez, mais moi, j'ai connu Perlmutter moins âgé que ce que vous l'avez connu, vous, et j'ai connu ses partitions, surtout ses vraies partitions. Et c'était incroyable tout ce qu'il pouvait annoter sur ses partitions. Alors, il y avait effectivement des annotations de Ravel sur ses partitions de Ravel, mais il y avait aussi les partitions de Perlmutter lui-même, voilà, avec toutes les lignes. Alors, on fait de la radio, lignes, donc ça se voit pas, mais non, là, je vous ai sorti des facsimilés. Oui, voilà, on vient de me Ondine, sortir effectivement quelque chose qui m'émeut beaucoup. À parce quoi que, ça ressemble, Gisèle Magnan, alors, cette partition? Et ça, c'est... Et puis, Chopin, c'était encore pire, parce que tous les doigtés possibles et imaginables, encore dans Ondine, il n'y a pas 36 doigtés possibles. Mais les partitions de Perlmutter, il y avait toutes ces idées, étaient toujours annotées. Et comme il avait des idées des milliers à la minute, je peux vous dire qu'il a noté des tonnes de choses. Et c'est vrai que ces annotations à lui, personnelles, étaient toujours en bleu turquoise, hein, ce qui faisait des partitions très oui, jolies. Et puis il indiquait aussi à la fin de chaque mouvement, chaque morceau, en quelle année il l'avait joué. Comme il oui, donnait énormément ça, de concerts, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dates, d'autant plus qu'il a vécu presque 100 ans. Donc, par exemple, sur la quatrième ballade de Chopin, je peux vous dire qu'il y avait vraiment énormément de dates de concerts qui étaient indiquées là-dessus, ainsi que des lignes de doigté, parce que dès qu'il changeait de doigté, il mettait tout ça. En quoi avec il vous des a marqué de ratures, et il nous obligeait à recopier. Ah, oui. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement, Junko, il lui a demandé d'éditer tout ça, et nous, quand on était ces jeunes étudiants au conservatoire, on passait des heures à recopier tout ça parce qu'il pensait que c'était un héritage très très important et qu'il fallait qu'on copie tout. Alors, tout le monde n'est pas spécialiste de piano. Qu'est-ce qu'il a de si marquant ? Parce que c'est un peu considéré comme un dieu par beaucoup de pianistes, Perlmutter. Vous avez été ses élèves, mais comme pianiste, qu'est-ce qu'il avait de si particulier ? On l'écoutait façon, tout à l'heure. Il est toujours, il a très beaucoup de respect pour le compositeur. Donc, il est vraiment chercher pour interpréter pour que le compositeur qu'il souhaite. Donc, il a cherché toute sa vie.
parce que c'est ça que ça m'a marqué. Il se confondait un peu avec les musiciens qu'il jouait. Non, ça, je pense que c'est, par exemple, il voulait bien, vraiment, comment dirais-je, de l'entrer dans le cœur de Maurice Ravel, le cœur de Chopin. Et vous, Gisèle, en quoi, Gisèle Magnan, en quoi il vous a marqué cet homme? Que tout le monde dit extraordinaire, hein. Oui. Un personnage. Et en fait, il était d'une authenticité absolument incroyable. Il faisait aucune concession, ni à la mode, ni à une espèce de sentimentalité, ni quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il avait un naturel, en fait, dans sa façon de jouer, qui était exceptionnel, avec une sonorité magnifique. Il avait énormément de culot. Et quand on était son élève au conservatoire, il nous jouait tout le répertoire, en fait. Et c'est là où on était très, très marqués. C'est qu'on avait un héritier d'Alfred Cortot, mais en même temps, avec une personnalité à lui et une façon d'interpréter très humaniste, en fait, qui était très, très, très inspirante. Et quand on était en cours, il nous jouait tout le répertoire. Donc, pour des jeunes artistes en herbe, c'est incroyablement formateur et inspirant. Et je pense qu'on a tous adoré ça. Il était célèbre et aimé pour ses interprétations de Chopin. On écoutait tout à l'heure sous ses doigts cette tarentelle. Vous voici dans Chopin, Junko Okazaki, le 13e nocturne, opus 48, numéro 1. Thank you.
Le 13e nocturne de Frédéric Chopin, opus 48, numéro 1, Junko Okazaki, en direct sur France Musique. France Musique. Gisèle Magnan, je voudrais qu'on continue de bien comprendre ce que vous organisez avec vos concerts de poche. On a compris que vous emmeniez des artistes à la campagne, en banlieue, pourquoi ? Pour jouer, mais aussi pour mener des ateliers de pratique musicale, pour faire en sorte que les gens qui ensuite seront dans la salle ne comprennent pas mieux, mais aient des clés peut-être pour entendre ce qu'ils vont entendre. Racontez-nous ces ateliers. S'il vous plaît, Gisèle Magnan. Oui, alors c'est vrai qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de concert sans atelier, pas d'atelier sans concert. Oui, c'est l'une des grandes formules des concerts de poche. Voilà, c'est important parce que la démarche de l'association est une espèce d'action de proximité en entier, concert et atelier y compris. Donc l'idée, comme vous le dites, c'est d'emmener les grands artistes dans les campagnes et dans les quartiers, donc évidemment de la France entière, hein, et puis d'organiser à chaque fois des rencontres avec les habitants. Et ces rencontres sont des ateliers de création, d'improvisation. On met chaque participant aux ateliers en situation de créateur. Je prends un exemple. Vous emmenez Nathalie Dessay, ça vous arrive de temps en temps. Qu'est-ce que vous faites avec elle et avec le public ? Alors, les ateliers, ça dépend. Il y a différentes durées. Avec Nathalie Dessay, là, en l'occurrence, elle est venue dans un tout petit village de Haute-Marne donner un récital absolument somptueux avec Philippe Cassa, où plus de la moitié de la salle était remplie de personnes qui n'étaient jamais allées au moindre concert de musique classique de leur vie. Donc, vous imaginez le choc qu'ils ont eu en entendant ce récital Schubert, musique française, avec en plus une chaleur, une manière de prendre tout le monde par la main incroyable. Et ces publics avaient eu des ateliers de création auparavant. Donc là, en l'occurrence, avec d'autres artistes, musiciens et comédiens improvisateurs, et ils avaient appris à inventer des histoires mises en musique, donc écrire l'histoire un petit peu de leur vie aux participants. Donc selon l'âge qu'ils ont, quand c'est des jeunes, c'est les histoires des jeunes, quand c'est des adultes qui sont dans des situations souvent d'isolement un peu particulières, ils écrivent aussi leur propre histoire et on la met en musique avec eux en leur faisant choisir leur musique, mais en induisant au fur et à mesure de l'atelier la musique qui va être jouée aux concerts qui vont venir écouter. Pourquoi faut-il passer par ça, par cette pédagogie-là et par cette façon de concerner les gens, d'ailleurs en utilisant leur vie comme matériau ? C'est oui, quoi le but, au alors, fond ? Le but, c'est de comprendre en fait qu'on fait qu'un. C'est-à-dire que l'auditeur, le compositeur et l'interprète, en réalité, sont complètement en synergie, en symbiose, au moment du concert, pour délivrer chacun à sa façon un message. Donc le compositeur, souvent il est plus là, mais sa partition parle pour lui. L'interprète est là pour faire revivre les notes de cette partition. Et le public est là pour permettre à l'interprète de lui faire sentir que lui aussi, public, il est en train de vivre la même chose. Mais vous demandez un engagement à tout le monde ? Ah bah oui, mais bien sûr, il faut s'engager parce que c'est ça qui donne envie de se lever le matin. Et c'est aussi comme ça que la musique, et cette musique-là, devient un véritable outil d'enthousiasme, de vitalité, d'énergie, et qui permet à n'importe qui, même à des personnes qui jamais seraient dans ce type de choses, de comprendre que par cette musique-là, il va pouvoir faire connaissance avec soi-même. François Hollande ne vous a pas demandé d'être ministre de la Culture ? Non, mais alors François Hollande, il nous a décerné le label La France s'engage. Ça vous permet quoi ? Pas du tout d'être ministre de la Culture, en tout cas, mais ça permet vraiment un soutien à l'association, d'abord de bénéficier d'une notoriété plus importante, et puis grâce à des fondations comme la Fondation Total, qui est appuyée sur le ministère de la Jeunesse des Sports et qui est engagée dans cette démarche de La France s'engage, en fait, on va pouvoir avoir un soutien pendant 3 ans qui devrait nous permettre de pérenniser la démarche, d'ouvrir des antennes en région. Ça vous donne un peu des sous ? Oui, ça donne des sous et ça va permettre d'ouvrir des antennes ailleurs et d'être encore plus en proximité et en réactivité avec les territoires qui nous appellent. Jean-Baptiste. La France s'engage. Junko Okazaki s'engage également avec ses éditions. Alors, c'est pas tout à fait fini. Il y a encore un volume de toute l'œuvre pour piano de Maurice Ravel. Non, c'est, ils ont fléchi le dans le de partition. C'est le père Moutel qui a joué
devant Maurice Ravel. Donc c'est pas la toute. On trouve ça en France, hein, parce que c'est en français, en non, japonais. Non, pas encore, pas encore. Ah, bientôt, j'espère. J'espère, on est en train de faire. Et Chopin que vous nous jouez ce matin, c'est aussi selon les annotations de Perlmutter. Bah, de toute façon, bah, j'ai travaillé, hein, beaucoup. Donc, depuis 84 jusqu'à sa mort, quand même, ça présente quelque chose. 84, c'est l'année où vous êtes arrivé en France, à Paris. Oui, et jusqu'à sa mort. On va vous écouter tout de suite dans une nouvelle œuvre de Frédéric Chopin. On a écouté tout à l'heure une tarentelle, on a sous les doigts de Perlmutter. On a écouté également un nocturne. Et voici, je crois que c'est la troisième mazurka. C'est une matinale spéciale mazurka. Oui, c'est vrai, c'est la troisième, effectivement. Troisième mazurka après une mazurka de Tchaïkovski, une mazurka de Léo Delibes. En voici une de Frédéric Chopin en direct sur France Musique. La 13e Mazurka, opus 17, numéro 4 de Frédéric Chopin, en direct sur France Musique dans la matinale avec vous, Junko Okazaki. C'est un Chopin à nouveau d'après Perlmutter, on disait, ou là c'est vraiment autre chose?
Mais j'ai toujours de base de permuteur, certainement. Mais bon, après sa mort, je vais quand même, je dois marcher toute seule pour chercher. Il était élève de Cortot, qui lui-même était élève d'Émile Descombes, lui-même élève de Chopin. Il avait travaillé avec Fauré, avec Ravel. Est-ce qu'il y a ce côté-là? On parlait de transmission tout à l'heure avec Gisèle Magnan, le côté oui. Ligne directe, transmission directement du compositeur à l'interprète. Oui, parce que il a connaissé bien le Fauré, parce que quand il était élève du conservatoire, ses directeurs étaient Fauré. Donc, j'ai entendu que quand Gabriel Fauré il a composé le 13e nocturne, le permuteur il était côté tous les matins, il a entendu qu'il compose. Il y a plusieurs histoires que j'ai entendues. Donc, je pense qu'il était très proche de Gabriel Fauré aussi. Il aimait beaucoup, le thème et variation. Ah oui. C'était extraordinaire sa sonorité. Quand il m'a fait travailler balade orchestre avec le version orchestre, et quand il a joué le version orchestre, le parti orchestre avec moi, je me souviens toujours cette sonorité extraordinaire. Cette rondeur avec un quart de Pleyel de chez lui, c'est sorti. Hein. Gisèle, vous acquiescez. Ouais, c'est très très parlant, effectivement. Mais les compositeurs que Perlemutter a abordés, il les abordait avec une manière vraiment de parler, mais comme s'il s'adressait à vous avec des mots en fait. Hein. Et d'ailleurs, il expliquait beaucoup ça. Qu'il fallait se raconter à travers, et c'est vrai que Thème et Variations de Fauré était une œuvre qui jouait beaucoup, les Nocturnes de Fauré aussi, et c'était un répertoire qu'il a mis beaucoup à l'honneur, oui. Et puis que les pianistes ont beaucoup repris. Quand vous dites se raconter, est-ce que les artistes que vous emmenez jouer dans des salles des fêtes en banlieue ou à la campagne se racontent aussi? Est-ce que le public les interroge? Est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre et de dialogue? Alors de dialogue en vrai, vous parlez pas de se raconter en jouant là pour le coup. Non. Oui, bien sûr. Chaque concert. Alors bon, d'une part, il y a beaucoup des artistes aussi qui mènent les ateliers aux concerts de poche. Donc les artistes concertistes font souvent les ateliers. Mais à la fin de chaque concert, il y a une véritable rencontre. Il y a le verre de l'amitié, mais qui va au-delà. C'est-à-dire que là, on se parle. Les artistes rencontrent vraiment leur public, qui sont vraiment des publics auxquels ils sont pas habitués, des jeunes, des adolescents, des jeunes. Famille, ils n'ont pas l'habitude de ça, et quand des classes de première viennent se hurler leur joie à un Michel d'Alberto ou à un Augustin Dumay. C'est le cas des adolescents, vous remarquez un rapport à la musique très fort? Mais très fort, parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ça. Donc en plus de ça, il y a une surprise, il y a quelque chose d'incroyablement lumineux au moment de la surprise. Est-ce qu'ils ont plus le trac ou moins le trac devant ce public-là? Alors je pense qu'en fait, ils sont hyper investi, au moins autant que à la Philharmonie ou au Concert Gebo, mais qu'ils osent prendre énormément de risques. Et ça, je pense qu'on a énormément de chance au Concert de Poche, parce que l'artiste se détend. Il faut les enregistrer. Il faut les enregistrer, oui. Alors là, il faut qu'ils nous donnent aussi... Peut-être qu'ils ne prendraient pas autant de risques. Mais je pense que ça vaudrait le coup d'enregistrer. Il y a des concerts, il y a du live absolument invraisemblable. Vous savez qu'on aime ça chez nous, on en fait tous les jours. Oui, écoutez, quand vous voulez. Comment vous faites? Je vais vous poser une question un peu gnangnan, mais bon, vous avez 4 enfants. Vous avez 2 petits-enfants, si je me trompe. 3 petits-enfants. vous cherchez de l'argent en permanence, parce que chercher du mécénat et séduire les mécènes, c'est un travail à temps plein. Et puis, vous ne suivez peut-être pas tous les ateliers, mais beaucoup. Beaucoup. Vous avez une énergie un petit peu surhumaine. Non, je crois pas, vous aussi, nous tous. C'est non, quoi, non, c'est non. On disait tout à l'heure la passion de transmettre. Je mets mon énergie au service de tout ce que vous venez de dire, ça c'est vrai.
Et les enfants donnent de l'énergie. Les quatre enfants, ils ont au contraire, ils ont boosté toute la, bah, la deuxième partie de l'existence. Quand on est jeune, on se rend pas compte, mais dès que les enfants commencent à arriver, en réalité, ils nous éduquent, hein, totalement. Vous verrez Jean-Baptiste. Et si on écoutait un peu de musique? Bah oui, parce que on a un peu cette matinale sous la figure tutélaire de Vlado Perlmutter. Je vous propose de l'écouter. On l'a écouté dans Chopin, on vous a écouté avec ses annotations tout à l'heure. D'ailleurs, on parlera de votre concert demain soir aussi, Salle Gaveau à Paris. Mais le voici, Vlado Perlmutter, pas dans Ravel, pas dans Chopin, dans Mozart. Des trésors de la discothèque de Radio France. C'est un petit peu abrupt la un fin. Petit peu. C'était un extrait du 21e concerto pour piano de Mozart avec Vlado Perlmutter, donc, et l'orchestre de la RTF dirigé par Rodolphe Albert. Vous êtes en concert demain soir, Junko Okazaki, Salle Gaveau à Paris. Comme chaque année, vous êtes une fidèle de cette salle, ou cette salle est fidèle à vous. Alors, pas de Ravel, pas de Chopin, vous avez choisi d'autres artistes, d'autres musiciens, Liszt. Le quand fameux deuxième et treizième nocturne que Perlmutter il a adoré. Et Debussy et Liszt aussi. Oui. Bien. Donc ça c'est demain soir, votre récital annuel quasiment, Salle Gaveau. Oui, mais c'est dur. Hein. Ça, l'année passe très vite. Vous êtes en France depuis 1984, pourquoi vous êtes en France? Pourquoi vous êtes... C'est pour lui, c'est pour l'homme de votre vie, Perlmutter? Bah, c'est mon dieu. Carrément. Carrément. Mon père. Parce qu'il m'a enseigné, bien sûr, la musique, mais il n'y a pas que ça. Comment il faut vivre, comment il faut procéder, tout ça.
Et donc, c'est pour ça que vous continuez... Oui. Oui, à le faire vivre, notamment oui. avec ses partitions. Gisèle Magnan, vous avez vous aussi des dates à nous donner, peut-être la date du prochain concert de poche, avec qui et où et quand? Alors en fait, il y en a beaucoup. Il y a ceux qui sont à Montreux la semaine qui vient, là, vendredi et puis samedi, 25 et 26 mars. Donc il y a Jean-François Zigel qui va être là le 25 à Montreux-Foyonne. Et puis Un carnaval des animaux, qui est une production un peu entraînée par les concerts de poche, avec Thomas Enko, dont on parlait tout à l'heure, Vasilena Serafimova, également Pierre Limbré-Wep, qui est narrateur, et tout un collectif d'artistes. Ils vont être 11 à réinventer complètement le carnaval des animaux, à faire des improvisations, des créations, création de nouveaux animaux, etc. Mais sinon, un peu dans le désordre, je veux bien annoncer le concert du 1er avril à Marolles-en-Brie, avec deux artistes que j'adore, qui sont Nikita Borisoglebski au violon et Miloš Popović au piano, un duo piano-violon complètement exceptionnel de jeunes artistes. Et puis juste pour rigoler, vous dire que le 1er avril, enfin pas du tout pour rigoler, mais pour vous donner un petit peu le type de commune dans lesquelles on va, Jean-François Zigel et les oiseaux revient à Bourcefranc-le-Chapu. Est-ce que vous savez où c'est ça? Non. Et ben voilà, c'est tout près de Marennes, c'est en Charente, et on est très très heureux que cette communauté de communes de Marennes-Oléron ait fait appel au concert de poche et qu'on y fasse notre première opération. Merci les oiseaux, Gisèle. C'est nos chanteurs d'oiseaux qui étaient venus il y a quelques jours, quelques extraordinaire. Semaines. Extraordinaire. Ils avaient eu tous les deux, ils sont de la Somme d'ailleurs, ils avaient eu un succès fou, ils sont toujours en vidéo sur francemusique.fr. Je voudrais savoir pourquoi j'ai Edith Piaf dans les oreilles, Jean-Baptiste. Parce que c'est le dernier choix de Gisèle Magnan. Ah, ah. Sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia, dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu, contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Fin de l'histoire, l'homme à la moto, Edith Piaf, et fin de la matinale. Demain est un autre jour. Demain vendredi, nous recevrons, nous parlerons avec plusieurs invités du Grand Prix lycéen des compositeurs. Que nous allons recevoir, mais dont nous ne connaissons pas encore le nom. Vous êtes en pleine forme, vous. Vous allez nous dire tout de suite, Jean-Baptiste, qui nous recevons côté session musicale. Lou Tavano. Merci à Francesca Fossati, Françoise Monteil, Juliette Libartowski, Garance Lemniaï, Céline Parfenoff et Gilles Blanchard qui nous aident à préparer cette émission et qui la réalise. À la technique, il y avait Clément Vuillet, Jay Zantaou, Guillaume Ledu, Jay Zantaou, c'est d'ailleurs Clément Hubert et Julie Guiraud. Merci à vous, on vous retrouve demain. Vous écoutez France Musique. Il n'y avait pas de Julie Clarigny aujourd'hui parce qu'elle est coincée sur la ligne 2 du métro et elle vous prie de l'excuser. Elle viendra la semaine prochaine, bien sûr, notre Julie Clarigny du Monde des Livres. Il est 9h.